De par sa position géographique et son contexte géopolitique et social, est un pays où les besoins humanitaires prioritaires identifiés découlant des problématiques telles que la sécheresse, les inondations impactent négativement les moyens de subsistance des communautés. Celles-ci accentuent le taux préoccupant de la mortalité infanto-juvénile, la prévalence élevée de la malnutrition aiguë, l'insécurité alimentaire. Aussi, la Mauritanie reste l'un des rares pays du Sahel à ne pas être doté d'un mécanisme de prévention, de préparation et de réponse malgré la présence d'un cadre légal national et de dispositions, plans et programmes qui manquent fortement de concertation et de coordination au niveau national et décentralisation. C'est à cet effet que depuis 2016, trois acteurs, Oxfam, PNUD et Action contre la faim, ont obtenu du service de la Commission européenne à l'aide humanitaire et à la protection civile, ECHO, un appui financier pour la mise en œuvre de projets d'appui ou renforcement des capacités communautaires et communales de prévention et de gestion des crises et catastrophes. La Mauritanie, c'est un pays où on fait face à plusieurs situations récurrentes, notamment des problèmes de sécurité alimentaire récurrents, aussi des inondations qui arrivent de temps en temps, et parfois des épidémies et des crises nutritionnelles. Donc c'est dans cette ligne que Action contre la faim, depuis 3-4 ans, à côté des projets qui visent notamment la lutte contre la malnutrition, a commencé aussi à mettre en place des projets pour la réduction des risques liés aux catastrophes, surtout aux catastrophes naturelles. Fort de sa vocation de sauver des vies en luttant contre la faim, Action contre la faim a démarré ses interventions dans la région de Houat el-Sharqi depuis 2016. Commençant dans les domaines de la WASH et de la sécurité alimentaire pour la population réfugiée malienne dans le camp de Bassiknou, puis dans les programmes de réduction de risques de catastrophes dans la Mourata d'Amourj avec les financements de DIPECO depuis 2016 sur deux différents projets. Donc, ce projet était un projet de renforcement de la résilience et de la prévention des crises rurales en Mauritanie. Parmi ces crises, nous pouvons parler essentiellement de tout ce qui est cas de sécheresse, d'inondation, donc qui affecte les communautés, donc qui affecte les moyens d'existence de ces communautés. Ce projet est venu à point nommé donc pour aider ces communautés à développer des capacités locales. À travers ces projets, plusieurs actions ont été menées, entre autres la mise en place des banques de céréales et d'aliments, les CES, DRS, conservation des eaux et sols, défense et restauration des sols, à travers le renforcement des capacités des communautés sur la mise en place des digues filtrantes, des cordons pierreux et des digues de protection. استرحنا نقبضوه من قري تسئره مخفوضه منظمه اللي قال لي على السعف نعتتنا ما شاء الله ياسر ما كنا نعرفه واستفدنا ما شاء الله منها ما كنا تبارك الله الحريزه ما شاء الله كانت ميته وكانت ما فيها الحياه وتبارك الله حياه طاتنا ما شاء الله فكره المينين يعود جاي من تل عدلنا له ما شاء الله سد عادر زينين تعود هي تمشي عنا نكافحوا احنا بروسنا ما شاء الله هذا النبيات اللي
Aussi, il a été mis en place dans le projet en cours 24 structures communautaires, SCAP-RU, 3 communales, OSV et CCC, une départementale dans le but de renforcer les capacités des communautés en termes de préparation, de prévention et de réponse aux crises affectant leurs moyens de subsistance. Donc ces structures ont pour vocation de collecter les informations, c'est les indicateurs de moyens de vie des populations et voir quels sont les indicateurs qui évoluent positivement ou négativement, c'est les conditions de vie des communautés pour alerter en temps réel les autorités et les intervenants par rapport à une situation donnée. Pour rappel, les SCAP-RU et OSV sont un cadre de collecte, d'analyse et de partage d'informations sur les secteurs de conditions de vie des populations, agriculture, élevage, conflits sociaux, santé animale et humaine. Donc au niveau des CCC aussi, on a mis un organe exécutif, à savoir l'Observatoire de suivi des vulnérabilités, qui est chargé aussi de se réunir tous les mois pour pouvoir analyser les informations ou les données collectées par les communautés. On a créé un comité départemental de gestion des risques qui est chargé, qui est le lead dans tout ce qui se fait au niveau communautaire, au niveau communal, qui centralise l'ensemble des données traitées. Bon, il les centralise, après il fait un complément, un traitement et après transmettre au niveau régional. أنا فاهمي الموضوع يعني كونون عدا يعني حريقة إلى خرقت الناس المبادرة اللي يلا الناس تعدل سابق هي تخرق واللي شفاف إلى خرق المبادرة اللي يلا الناس تعدل سابق في الشفاف ويعني والفيضانات إلى خرقت المبادرة اللي يلا الناس تعدل والله الحمد لله عندنا إحنا نفاسنا متحملين مسؤوليتنا عندنا أرك نشاط فينا نقدو إحنا نفاسنا نترفنا على البلدية. Au niveau local, visant à améliorer les systèmes locaux de prévention et de gestion des crises et autres catastrophes par la responsabilisation des acteurs locaux, acteurs de développement, communautés de base, ONG. Énormément de choses ont été dégagées et des solutions ont été apportées au niveau communautaire suite à l'EPVC, l'évaluation participative des capacités et des vulnérabilités. Des communautés ont pu savoir les risques sur lesquels ils sont affrontés. Ils ont pu aussi prendre des dispositions pour faire face à ces risques. ونفعتنا بياسر ما كنا نعرفه. جابت لنا كارت فيها توصيات وفهمنا منهم ياسر ما كنا نعرفه. وعدلت لنا دراسة وعدلت فينا الإجاء. Également, un plan de préparation et de réponse aux urgences a été élaboré en 2016 avec l'ensemble des services techniques d'Amourges et de Nema, des maires du Hakam d'Amourges ainsi que des ONG partenaires. Ce plan a été révisé et rendu opérationnel à travers un atelier participatif et inclusif en mars 2018 afin de doter les autorités administratives et locales des capacités de réponse face aux crises qu'elles subissent régulièrement. Il a permis en outre d'analyser les principaux risques auxquels font face les populations de la Mouqata d'Amourges, leur récurrence, leur sévérité et leur fréquence et ainsi identifier des actions de mitigation quand ils surviennent. Ce PPRU précise les rôles et responsabilités de chaque acteur et détaille le mécanisme d'alerte et de déclenchement. في البلدية وخاصة في التكوينات وقامت أم اللجان القروية كاملة اتصلت بهم وكونت فيهم لجان قروية للتوعية والتحسيس في مجال تدخلها هي كمنظمة وتقوم اللجان المحلية بدراسة كل محاضر وتطرحهم إلى اللجنة المقاطعية وترسلها إلى الجهات المختصة وقامت في الحقيقة تدخلت في الكوارث وجابت لنا عدة وسائل لمكافحة الكوارث منهم اللي موتو بومب تكونت الناس مولية كيفية مكافحة الفيضانات وعادوا الناس عادوا في الحقيقة أن يخرج لنا فيضان هنا اللي يقوم واحد من البلدية مباشرة هو نفسه يجلي عنا المياه الراكدة في الأماكن من أماكنها الحمد لله دخلت معانا في البلدية وفي بعض من مشاكلها وساعدتنا بعاليات الفيضان وارك شاكرين للمنظمة اللي قالها منظمة آسف على تدخلها في المقاطعة عامة وفي البلدية خاصة عملوا خلق رواية عدلوا عملوا زينة أمرجهم عملوا
جاهشي من الماء لين حتى المساجد مسجد الجامع مثل بعد جابوهم آليات فم آليات أنابيب صاحب المهادي وقبلوهم وجابوهم فم ونطروا المعنى الناس. Tout au long de la mise en œuvre de ce projet, des séances de sensibilisation ont été menées à travers des messages radiodiffusés et des clubs d'écoute mis en place à cet effet afin de renforcer la connaissance des communautés. Au niveau communal, il s'agit d'une gamme de sensibilisation et de formation à l'endroit de nos partenaires directs qui sont les communautés. Donc, qu'on a formé et organisé en plusieurs structures au niveau local, dont les clubs d'écoute, qui sont chargés de sensibiliser les communautés à leur tour. C'est des personnes ressources identifiées, capables de changer les modalités de vie et les comportements des populations, si elles-mêmes elles sont capables ou si elles-mêmes ont compris. يتكلم على الفيضانات. جزاهم الله خيرا الافكار اللي اعطاونا نقدون نتعامل مع الكوارث اي كارثه قايلين احنا لان احنا نعانوا منها السنوات اللي هما ولكننا مطرحين اللي هما علمونا. جزاهم الله خيرا. C'est vraiment développer des capacités locales donc à pouvoir faire face, à pouvoir faire répondre à ces phénomènes récurrents. Donc sans pour autant chaque fois attendre des acteurs ou bien d'autres partenaires ou États qui souvent prennent du temps à faire la mobilisation des ressources, tant humaines que financières et logistiques. Enfin, une coordination a été mise en place par les trois organisations Oxfam, PNUD et Action contre la faim pour harmoniser non seulement les outils de collecte et d'analyse, mais aussi de faire des plaidoyers auprès des partenaires et de faire des visites d'échange entre les communautés d'une zone vers une autre. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons bénéficié de visites d'échange entre la commune, la Moukata d'Amourj, d'ailleurs dont nous faisons partie, et la Moukata de Maqtal Achar. Visite d'échange qui nous a permis d'échanger ce que nous avons appris et d'échanger ceci avec nos frères de Maqtal Achar parce qu'ils ont la même activité, réduction de risque et catastrophe. Dans la même dynamique de la réduction des risques de catastrophe, un nouveau projet est en cours d'obtention via le PAM grâce au financement d'ECO, fenêtre d'IPECO, et ayant pour visée de mettre en place un système décentralisé d'alerte précoce alimentant le SAP national à travers la collecte, l'analyse et la remontée d'informations. On est en train de préparer une nouvelle phase de ce projet qui sera plutôt un SAP décentralisé en partenariat avec le PAM et le CSA, toujours sur financement d'IPECO, donc ECO Edifid, pour essayer vraiment de fluidifier la remontée des informations depuis le niveau local jusqu'à le niveau central. Surtout aussi continuer le volet renforcement des capacités des populations locales. Donc là, on va se combiner très bien au niveau de l'ancrage institutionnel. Nous, Action contre la faim, pour l'ancrage que nous avons au niveau communautaire et au niveau régional, et les PAM avec l'ancrage qu'ils ont au niveau national, au niveau donc central, notamment avec les CSA et les bureaux de l'OSA. Vous voyez qu'il y a beaucoup et de plus en plus des acteurs et des bailleurs de fonds, des agences étatiques qui sont intéressés à améliorer tout le système de prévention, de préparation et donc de réduction des risques des catastrophes. Ceci doit permettre aux autorités nationales et décentralisées de détecter et de répondre aux éventuelles crises alimentaires et nutritionnelles.